Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfan pour un nouvel épisode de The Witcher 3. Dans cet épisode, on va retourner voir le... Où est-il ? Le type là... Lui. Le marchand, celui-ci, lui s'appelle Marchand. Halt ! Salutations, intendant. Honneur et gloire, Gérald. Que puis-je pour vous ? Un café, intendant, s'il vous plaît. Cherche du travail. J'ai lu votre avis. Vous autres sorceleurs, vous suivez les pistes comme personne. Si c'est le cas, je pourrais avoir besoin de vos services. Il y a quelques jours, j'ai dépêché des éclaireurs dans le bois sur l'autre rive du lac. Aucun n'est revenu. Retrouvez mes hommes. Ramenez-les au bivouac, et je vous paierai bien. Mais pas un sou de plus que sur la vie. Attention. En comptabilité aussi, l'ordre doit régner. Les paysans du Cru ne vous voient pas vraiment comme des libérateurs. Dites le fond de votre pensée, sorceleur. Petit détachement, coin isolé, ils ont pu passer vos hommes à la fourche. Une poignée de cutéreux en guenille ? Massacrer une unité d'éclaireurs impériaux ? Et puis quoi encore ? Un dragon les a dévorés ? Est-ce Bloodjock ? Pourquoi envoyer vos hommes en forêt ? Une raison précise à cela ? Simple patrouille, conformément au code. D'accord, je suis votre homme. Parfait. Débutez les recherches sur la rive opposée du lac. C'est là qu'on les a vus. Bonne chance, sorceleur. Alors, cette région me fait bien rire. Je m'explique. Si on prend la carte du monde... donc, là, en fait, on est dans le marais, donc on est dans une zone qui est censée être, bah, du coup, jouable. C'est une zone qui est censée être jouable. On a joué ici, etc. Enfin, on a joué plus haut par là, en fait, hein, avec le village, les moires, etc. Mais ici, il y a un bourrin, là, il y a un bourrin, là, c'est un bourrin, là, c'est un bourrin, là, ce sont que des bourrins, ça, ici, c'est un bourrin de niveau beaucoup trop élevé, il y a une petite dissonance dans les niveaux, faut... Mais après, c'est rigolo, parce que c'est vraiment dire, faut pas s'enfoncer dans les marais, quoi, mais... Ça peut rebuter le joueur. Le joueur qui est pas un peu vétéran... qui voit pas trop la raison logistique derrière. Surtout que moi je comprends le fait qu'on peut mettre genre des basilisques niveau 30 parce que ça, ce qui fait que très mal. Ça, tout ça je comprends bien. Par contre quand on t'habille en intro un griffon royal tout claqué niveau 1, voilà ce que j'ai à dire. Parce que j'étais quand même un griffon après tout à bouncheur qui est tout claqué. C'est où d'ailleurs? Parce que peut-être faut-il que je me téléporte. Ce sera pas bien nécessaire. Ah, c'était à la tour. Ouais, idéalement il aurait fallu que je monte. J'ai pu passer par là. Parce qu'il y avait. Idéalement faudrait que je coupe. Ouais, vu qu'Ablette ne se fatigue pas. Écoutez, pour une fois, on prend un tour de nous. Tablette. Ça c'est de la blette de complète hein. C'est de la blette gardienne. Je m'y connais pas. Je vais monter par là.
dit, tablette. À partir de là. Pied à terre. Méditation, sinon on ne va rien voir. Allez hop. Et c'est dans ce pays de con, il s'écoule pas une journée sans qu'il fasse un truc correct. Voilà. Des traces de bottes et de pieds nus. Bizarre. Suivons-les plus avant dans le sous-bois. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans, à moins que ce soit le contraire. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans, à moins que ce soit le contraire. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans, à moins que ce soit le contraire. Qu'est-ce qui empeste comme ça? Un autre fenêtre. Je vais aller lui péter ça. Je reviens. J'arrive. Eh oh, petit. Une nuit verte. Formidable. Non, c'est juste. Des claqués. C'est complètement claqué. Je ne perds plus personne. Gratuit. La rigidité cadavérique laisse supposer un empoisonnement. Une seconde. Le foie a été dévoré. On a traîné quelque chose de lourd. Des nécrophages, des corps. On détruit pas ça, là. Parce que ça, c'est quand même censé être le du wyvern. Une wyvern, hein, en français. Hein. Les corps ont été enterrés dans le bois et déterrés par des goules. J'ai peut-être pas fait mon taf dans l'ordre, mais si ça ce sont bien des goules que j'entends, c'est moins de trouver encore. C'est des Necker. On est ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mal de mutagènes, je crois, à mélanger. Du vert. Oh ouais, d'accord, j'ai du bleu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai du bleu. Et du coup, j'ai pas les recettes du dessus, et après, lui, il est faux aussi, quoi. Là, c'est le problème, c'est que j'ai plus qu'y ramettre. Coûte 1 milliard de dollars pour récupérer ses recettes. Oh, des bambinos! El bambino! Oh, allez, les gars, vite! Au boulot! Excellent! Eh! Hop.
petit loot. Ça. Comment ça? Comment ça, il y a une piste odorante? Là, je dois avoir une quête active dans le coin. Pas intéressant ça. Ça va nous en faire du foie de toutou, ma foi. Allez, t'as vu. La bonne viandasse. Et dire qu'on le verra rien fait, quoi. Les poux. Quel jeu cruel, hein. Oh, mais la femme du baron qui se transforme en queue, tout ça. Les gens qui meurent, tout ça, c'est une chose. Mais alors, tuer des banques toutous, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Quel jeu atroce. Vous voyez, c'est niqué de tout claquer au plancher. Bon, on les tue. C'est pas gênant. Quel est donc cet endroit charmant? Cramé, on est d'accord. Y a pas d'anguille sous cloche, hein. Ok. Ah, juste un pisson. Ah bah finalement j'aurais vu le. Ah c'est ça. Je suis finalement à l'endroit. Je pense. Ah ouais non mais d'accord. Ok. La blette. Voilà. Va le téléportation la blette. C'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Il y a des lutins, des samovilas, des fémamounes, des serpents volants, des brochets, oh, et même des chauves-souris. Disons que ça nous fait des saloperies. On va fouiller ça. Je me le fais. Il y a un truc que je peux pas voler, je me le fais. Super votre petit village. Elle m'a donné. Estuaire et Seine. Ouais, comme tu dis, oui, est-ce que t'as pas de chef? Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Juste un buisson, t'es caté, hein. Pas de faire grand chose, le buisson. Écarte-toi. Tout doux maintenant. Ah non, c'est la tête de la rue, quelque chose. Ok, ok. Salutations, intendant. Honneur et gloire, Gérald. Que puis-je pour vous? J'ai retrouvé vos hommes. Enfin, leurs cadavres. Ils ont été tués par une wyverne femelle après s'être égarée sur son territoire. Une wyverne? Grande peste. Vos hommes ont dû la provoquer. Je vois. Merci, sorceleur. Voici votre prime, comme convenu sur la vie. Raphaël. Je ne te laisserai pas chourer un tout coup d'œil chez toi. Check, hein, c'est jamais, hein. On fera un malentendu. Gros malentendu. On va pas chanter. C'est mort.
très intéressant. Merci de m'avoir laissé dépouiller ta torche. On n'a pas un seigneur ici? Fichier de livre gardien, débilus quoi. Oh. Normalement c'est des bons coffres ça. Ah, palette plus rapide. Que level 26? Oh, je pourrais être trippé quoi, mais bon, tu vas nous rameuter toute la guerre là. C'est chiant. Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il y a de la poussière, ceci dit, qui est intéressante dedans. Poussière qui me permet de fabriquer des runes. Pour Novigrad. Je fabrique des runes qui sont nulles, je crois. C'est vraiment le problème. Il y a que Kiramez qui avait les recettes et elle les a. Ah d'accord, donc t'as des yeux derrière la tête en fait, d'accord, c'est juste le projet. Projet initial du mec, c'est juste d'avoir des yeux derrière la tête. Blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. On va peut-être pas perdre plus de temps là-dessus, hein. Visir au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Dommage qu'on ait pas des petites actions d'assassinat. Je me le serais bien fait à l'ancienne. Mais bon. Je joue pas Assassin's Creed. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Ce qui va nous intéresser, c'est de prendre les endroits. Route vers le mont chaud. Non, mais là, c'est que des trucs chauds là. Si je vais ici, je vais être dégoûté de ma vie. C'est à côté de l'espèce d'arbre mort. Je crois que je peux pas y aller. On peut pas y aller. Non, on peut pas y aller là, ici pour l'instant. On dirait bon ça. Si à la limite je peux y aller, voir ce qu'il y a. Les portes au marais de Torse et Chine. Et puis ok, on peut se faire ça. Il est pas non plus proche. À la gauche. Alors on peut, c'est vrai qu'on peut affronter des monstres de plus haut niveau que soi, mais vraiment je le conseille pas parce que j'avais beaucoup de kits d'entretien d'armes et j'ai tout pété sur les monstres. Ça peut être dans une situation qui est un peu embêtante, un peu désagréable, c'est-à-dire que la prochaine fois que j'habille mes épées là, je suis obligé d'aller voir un forgeron, fin du combat. Donc c'est un peu, voilà, ça, je leur demande pas forcément. C'est ce que tu sais faire, saleté. D'avoir le. Pas nous ramener à la grotte de tonnerre là, je sais plus comment ça s'appelle. Le cheval que j'ai libéré, le démon, le mauvais esprit de la forêt, il l'appelle. Même si je pense qu'il n'y a pas de mauvais, esprit de la forêt. Moi je pense que c'est politique, donc je pense que voilà, l'esprit de la forêt, même si tu tout être humain qui y pénètre, bah très bien. Bah cassez-vous de la forêt en fait, allez habiter ailleurs. Un campement de bandits. La meilleure chose qui soit. Range-moi ce couteau nu. Et bah sors-moi celui-là. Allez hein, c'est parti. Hein.
Ah oui, les filles. Oh, level 9. Oh, ah, je les tourne. Ouais, comme ça. Hop là. Ouais, hop là, c'est vrai qu'il y en a un qui est... Oh, les boucliers, c'est tellement puissant. Sur la manette, c'est V. Enfin, sur la manette, c'est boîte. Épée de Scoyatel, épée de Wefik. Lui contre les vestiges améliorés. Ah, ça peut me servir ce truc, tiens. C'est bizarre ça. Bien, ça aurait pu me servir ce truc. Je ne sais plus quand. C'est bizarre, ça aurait pu me servir. Incroyable. Bah, c'était bien. C'était les bandits du de la fin du monde, hein. Voilà. Et ben, le marais est clean, hein. Ça a pas l'air, mais il est clean. Alors, il est clean, sauf. Tous ces trucs-là qu'on pourrait aller voir. Donc, sauf bien sûr la partie de la route vers le Mont Chauve, tout ça. Auquel on peut pas accéder et donc, qui est gardé par des brumelins de level 24 ou 28, je ne sais plus, mais enfin beaucoup trop. Et cette grotte qui refuse d'être faite. J'y suis retourné, ils avaient mis des andriagues à la place, je les ai tous tués, mais pff, visiblement, bah c'est non. Grotte du fléau du dragon, pas fait non plus. Ah oui, mais parce que c'est un Lichir niveau 20 là, je sais plus quoi, level 20, beaucoup. Beaucoup. Pareil, hein, cette région là, pareil, elle est vachement toxique. Hein. Elle est quand même super toxique. Je pense qu'on va retourner ici pour essayer de boucler la fin du monde là à droite. Revenir dans le champ, péter le dernier truc de monstre qui traîne. Ça on peut pas. Ok, donc je mets un marqueur là-dessus. D'ailleurs, on va faire venir Ablette, hein, parce qu'on va essayer de voyager le plus vite possible, éviter de perdre trop de temps. Même si, c'est bien, Ablette. Ne nous mentons pas, l'ambiance de ce jeu est extrêmement agréable. Ralentissons l'allure. Je vais passer droite. Ah oui, c'est la grotte des brumelins, là. Enfin du brumelin plus là. D'accord. Chose que j'ai fait hors caméra. Normalement vous avez un super brumelin ici. Le brumelin du dessus là, c'est quoi ça? Moche, il est très moche d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est moche? Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné? Quoi? Qu'est-il? Quelqu'un a créé une illusion ici. Une illusion. Quoi ? Cacher les pattes de loup-garou ? Je devrais utiliser l'œil de Néalini. Mais c'est une idée de quoi ? Quelqu'un a créé une illusion ici. Tiens, je vais me réveiller.
surprise. On va tomber sur quoi? Sur un loup-garou? Claqué? Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kerem a? Arrête de répéter en boucle, je le reprends. Pourtant, c'est une excellente idée de me le dire une première fois. Après, t'as juste l'air idiot. Intéressant. Sinon, ben. Alors, je suis médisant. Je vais tout de même pousser l'investigation plus souvent en disant ça n'amène peut-être pas à cette maison, peut-être ça va plus loin. Ouais. Peut-être en fait ça dépasse la maison et peut-être ça va plus loin. C'est de ne pas être totalement dissident. C'est assez vaguement au sujet. Pitié de Caillou. Je peux essayer de m'intéresser vaguement au sujet et rien à voir. Ça nous ramène à la grotte du Gremlin, quoi. Du coup, inutile. Et du coup, j'ai perdu la bête. Il y a quelque chose ici. Je dois utiliser l'œil. Non mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, gros. Une illusion. Mais oui, mais je l'ai pété ton illusion, arrête de m'emmerder. La reconstituer à chaque fois. Fatigue. Où tes empreintes? Voilà. Oui, bah ça va. Bref, on s'en fout. C'est vraiment très utile pour une quête. Hein. Moi, je me suis baladé, j'ai massacré tout le monde. D'habitude. Face au Skyrim, comme on dit dans le jeu. C'est incroyable. C'est bien, Ablette. Wow, qu'est-ce que c'est que ces verres? C'est des brumes. C'est des brumelings, justement. Oh, j'ai envie de les faire, ils valent de l'XP. L'avantage du brumelin, c'est qu'il paye bien en XP. Désolé, mais je crois qu'on va finir là-dessus. Ça? Oh non, mais les noyères là. Hop là. Hop, tu vois, j'ai souqué les artifices sur mon dos. Hop là, hop là. Ah, sur le noyard, faut être fou sur l'esquive. Le brumelin aussi. Vous êtes deux, hein. Ah, les deux m'ont repère direct, quoi. Alors oui, le signe avec eux c'est quad. Un petit quad qui explose, c'est vachement utile. Hop, c'est un petit quad. Vous allez voir quand ça va péter, on va se régaler. Allez, vas-y, viens me chercher. Mais c'était nous. C'était vraiment très nul parce que c'est pas moi qui suis devenu fort, hein. Clairement. Vous trouverez bien les petits temples à vos sorcières. Ça me chaufferait bien. Ok, le petit panneau. Le panneau Babélix.
Mais on a dit qu'on allait à Benkelman, Belkelham, le truc là-bas. On va l'appeler le village 2. Pourquoi pas. Ah, c'est celui avec le vieux fou là. Je l'ai tué ton monstre à toi ou pas d'ailleurs? Je voudrais savoir, parce que je sais qu'ils m'ont envoyé chercher un monstre qui est trop. Alors, on va être fourré au moulin, hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller par ici. Vous maîtrisez votre métier. Par ici, mais il n'y a pas de route qui y mène là. Ça, faut que je coupe à travers champ, c'est ça. Faut que je coupe à travers champ, mais méditons sur ce voyage. Pas qu'il pleut. Sauvegardons, pour que vous disiez. Toujours, sauvegardez plus souvent que ça. Ça paye en XP. Hop là. Oh, deux whips. Un nid de draconide. Pardon. C'est quoi le niveau du boost là? Hop là. Ouais, acceptons de mourir parce que en fait il y en a deux, donc faut que je parte sur un coin. Vous avez une demi-heure de votre temps à perdre là. Parce que je crois que c'est ce qu'on est parti faire là. Oh la fatigue. Oh l'équilibrage quoi, on est allé tuer dans le marais une vieille wyverne toute claquée, à côté de ça on est tombé sur un feu noir level 20 et quelques, et là on tombe sur deux wyvernes level 20. C'est compliqué, hein. C'est vraiment. Faut que je m'économise en arrivant. En arriver là-haut, ouais. On peut embrouiller un chien. Deux niveaux 20, franchement. On se laisse ça, en plus ils ont même pas l'air de régénérer. Ami de Draconis, est-ce que tu veux me Silence s'il vous plaît, meurs. Caché dans ta grotte là. Reviens quoi. Sors de là, wesh. Sors de là. Non, je t'apprends pas dans ta grotte, sors de là. Ouais, c'est ce que tu fais. Pas très intéressant ce que tu fais.
vendu des choses là. Je sais bien, l'autre est resté sage. Mais c'est chiant là, c'était bugué. En plus, je te vois tellement pas quoi. Faut sortir maintenant là. Super, j'adorais mon esquive. J'adore esquiver sur le monstre. Sors, je te dis. Super, balance pas le poids sur vous. D'affrontement ça, je m'emmerde. Okay, les gars, je suis vraiment obligé de me battre contre des bugs. C'est quoi ça? 100% perforant, 100% chance d'infliger un saignement. J'ai lâché le coin tellement la bonne seconde là. Allez, on va t'aider à te terminer. Je suis complètement du carreau de cette zone. Je suis impressionné. Impressionné par le DPS du truc. Bon, on va se garder déjà ici. Hein, je pense que c'est déjà bien. Parce que les bugs, c'est formidable. Très très impressionné. Et ça, qu'est-ce que tu fais? 5 dégâts d'argent. Ok, intéressant. Des dégâts d'argent. De toute façon, équipe, faut qu'on se déplace parce que ça pèse trop lourd. Ça pèse trop lourd. Ça pèse trop lourd. Pardon. Je vais faire votre attention, je vous prie. Checker de l'œil mon coin, hein.
là-dessus, on va tomber. Hop là, ninja 1, ninja 2, ninja 3, ninja 4. On attaque. Le couette. Attaquer dans la couette. Ok, on découette. Mais donne-moi ton petit boule. Mes choix. D'ailleurs, ça serait pas intéressant qu'il me touche à chaque fois parce que ça les ferait tomber. J'ai mon poème. Se reproduisent pas. Un nid de draconide, je devrais le détruire. 15 XP pour ça? Franchement, c'est dégueulasse. Wyverne royale. Je suis verni. Oui, non mais complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le vernissage est total. Le quad. Je ne savais pas quel est le niveau de ce monstre. C'est même pas écrit dessus. Allez. Ok, on la chatouille un peu. Ok, ça peut nous rappeler d'autres niveaux de monstres déjà vus précédemment dans un épisode précédent. Là, comme une wyvern, on a tout gagné. On fait pas des trucs chelous, on devrait être bon. Ça peut se faire, ça sera un peu long, mais ça fait bien. En vrai, ça peut se faire. Ok, ouais. Pour l'instant, tu te bats comme une wyvern. Ok. Pas à terre là, quand tu le prends en fait. Ouais, si. Quen pour tout taper sur la couette. Ça va, il a déjà fait sauter quoi. Ok, on reste calme, on reste souple. Ok, on est super souple. Hop là. Il est sous ta gueule, c'est quand même formidable. Ah, j'ai plus d'épée évidemment. Je le tape avec un manchon d'épée, évidemment, c'est très intéressant. Par là de rien du tout. Excellent. Mais c'est de la merde. Oh, oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, c'est pas. Il faut que j'arrête de lui foncer dessus. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment un truc, c'est une habitude. Il faut que je me débarrasse.
j'arrive à passer derrière lui, mais il est gros, il va me faire pousser. Oh, un petit coup de queue aussi, un petit coup de queue, j'ai vu une variante. Ouais. Je me rappelle que vous crachez de la cible. Oh, le gros chien. Avec autant de ça, pour pouvoir lui taper dessus. Hein. C'est-à-dire s'ils ont une queue et qu'ils s'en servent mieux pour te péter la boule, je vois pas pourquoi on peut pas s'en servir pour leur péter la boule. Donc, je vais pas sauter dans l'autre direction. C'est quoi son nom déjà? Wyverne Royale. On en voit rarement d'aussi grosse. Elle a dû se gaver aussi. A attaqué tous ces voyageurs sur la route. Elle a renversé le chariot, puis nous a coursé jusqu'à la caverne. On a tellement couru qu'on a failli perdre nos jambes en route. Comment qu'on vous appelle, monsieur? Geralt de Rive. Geralt de Rive. Ça me fera une chouette histoire à raconter au Ptio. Mon pognon. J'ai besoin d'argent pour réparer mon épée, s'il vous plaît. J'ai également très mal à la gueule. Vous noterez. Anathème. Nouveau couteau. Quoi encore? Épisode encore extrêmement long, on va quand même le terminer parce que j'ai pas fait tous les nids. Alors, il y a des trucs, hein. Le truc est machin, on se prend une fleurette. Une fleurette, c'est très joli. Et ouais, on a cette caverne. Il y a quand même des choses dans cette caverne, non? Pas juste une caverne du style là. Je devrais sauvegarder là. Ouais, sauvegarde quand même. La caverne du style a l'air un peu dangereuse, hein. Il y a l'air d'y avoir un peu beaucoup de choses par ici, non? Il y a d'avoir des... ça a une tête à y avoir un peu plus que... juste du loot. Ok, des couteaux dans tous les sens. J'aime ce. Vous voyez rien, je ne vois rien non plus, je vais vous dégainer une torche, je pense.
J'ai pas ça en torche normalement. J'ai pas de torche. J'ai plus de torche en fait. Putain, une torche elle fait pas longtemps. Hein. Ça arrose de ces mots. Ok, d'accord. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à descendre. Trouver d'autres petites choses. Alors, ça a l'air de rien, ça a l'air des minus de ramasser tous les champis, des conneries comme ça. Mais en fait, j'y vais aussi parce que je me dis, des fois, je les vois pas là. Genre là, vous voyez, l'herbe typiquement, je la voyais pas. Et peut tout à fait y avoir une caisse de loot cachée derrière, en fait. Tout simplement. Qui arrive assez régulièrement. Pour le coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On passera par là après. Hein. Grotte que j'ai pas fini d'explorer. On rentrera par là, c'est promis. Ça va encore faire une heure. Incroyable. Insupportable. Oui, j'ai exploré en haut, faut aller voir. Par 10, 20 par an. Ah bah voilà, du cadavre. Là on commence à discuter là. Ah une pomme, ça fallait pas le prendre. Secours. Je fais une sauvegarde parce que j'ai pas envie de tomber à taper. Moi le fouillage de trucs là. Je ne vois que dalle. Dalle que rien du tout. Ah parce qu'on est dans un trouillon. Ok. Que donc il faut sauter par-dessus. Des pommes. Sinon c'était la condition pour se faire manger, c'était d'avoir un goût de pomme. C'était un peu des wyvernes normandes, vous voyez. Voilà, c'est pour se faire manger des trucs avec des goûts de pomme. Nouveau marqueur, entrée. Ça fait plaisir. Ah, c'est qu'on est censé rentrer par là pour aller taper les wyvernes. Non mais t'es sérieux. Oh, j'ai un peu escroqué le jeu. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible que j'ai un peu agi comme un escroc. Oh, il y a des fleurs séchées quoi. Petit goût de marguerite. Hein. Non mais on retiendra que les wyverns ont des goûts délicats. C'est des créatures, certes hostiles, mais avec des goûts, finalement c'est délicat. Hein. Ah voilà. On n'a pas fait ça pour rien. Voilà, 55 minutes de VOD, pas juste pour des champignons. Tout ça pour des champignons. Incroyable. Nouvelle entrée, avec quoi au bout? Je sais pas ce que ça fait comme ça. J'entends pas de là. Ça émet du son, mais on sait pas. Menti.
Oh. La lanterne au moins. C'est juste ce que je vois. Hop là. Ce que je vois. Stop, on n'éteint pas, on descend, on a dit qu'on finissait par sortir par l'autre côté. Donc c'est parti. On sort par là, c'est ça? Ok. Sauvegarde. Skellige. Ceci dit sauvegarde, certes, mais méditation en fait. Hop, jusqu'à l'aube. On adore. On adore attendre l'aube finalement. Formidable. Non, au cœur de la convivialité, s'il vous plaît. Quand même. Jacques d'Archer de Verden, ok, sur le coup, ouais. Bon, tout ça pour des tuiles, tout ça. C'est très joli comme endroit. Ce sera très probablement recyclé plus tard pour autre chose. Ouais. Ça ne m'étonnerait point. Ah! Les gens m'avaient pas dit qu'il y avait un dénivelé. Les gens m'avaient pas dit qu'il y avait un dénivelé. Et on est censé aller là-bas la prochaine fois. Écoutez, on ira à la nage la prochaine fois à cet endroit-là. Et la grotte n'est pas considérée comme étant terminée. Elle n'est pas grisée. Doit être un rouge. Sur ce, je vous remercie. C'était Knorfunk sur Comme d'habitude Gaming, The Witcher 3. À la prochaine. Ciao.